Aussitôt dit, aussitôt fait, c'est toujours Macogne en Minou, et là, on en est déjà au 17ème épisode. Et on reprend exactement là où on en était avant, c'est-à-dire devant le centre Pokémon. On vient d'avoir notre badge, on a été au centre commercial, on a fait le plein d'attaques de bourrins, histoire que ça cause un peu, et on va poursuivre l'aventure. Je sais pas du tout où faut aller. Pam pam pam, Pokémon, on va laisser Kadabra ou... Non, Merguez a besoin d'XP, on va le mettre au-dessus. Allez. Est-ce que c'est là-haut? Qu'est-ce que c'est que ça? Bâtiment Galaxie. C'est ça? Ça ne serait pas formidable si on maîtrisait cette énergie? Je ne sais pas quoi en penser. T'as pris de la bouteille. Énorme. Allez, on va... Y'a pas grand chose à faire, juste regarder chez lui. Mais... Une clé spéciale. Et eh ben on va chercher cette clé spéciale. Ça va pas arriver tout de suite. Un lac. Bon. Je sais pas si c'est la route, on va dire que oui. C'est ça le lac. Qui nous est qui? Pour le coup, j'ai bien fait d'enlever Kadabra. Alors, Merguez. Allez, on se fait un petit plaisir, un petit défla. Ah, mais faut que je remette cette putain d'animation, moi. Bon, j'aime déjà cette attaque. Ça a dû, ça a pas duré longtemps. Ah voilà, le souci c'est la précision. Allez, on va spammer la flamèche. Je sais pas si c'est normal qu'il reste si peu longtemps. Bon, ça me va, mais même si ça va pas servir à grand chose. Merguez est KO. Avant de faire le prochain épisode, je pense que je ferai un petit coup d'XP quand même. Ça sert à rien de perdre du temps sur des combats mineurs. Allez, un petit 5. Allez.
Alors, c'est quoi qui était marqué? Voilà, oui, je sais, c'est là d'où je suis. Là, il y aura sûrement quoi voler. Les baies. Peut-être un jour. Alors, où c'est que je vais, moi? Tout le monde m'appelle le Manioc. D'accord. Oh, les Arbis. Souvenirs. Hein, les Arbis. Ah, faut peut-être que j'utilise le... Ah non, c'est pas là-dedans, c'est dans le sac. Explora kit. Non, bon, c'est pas grave, de toute façon. Hein. À moins que si ce soit en Pokémon sauvage. Non, ok. On va pas rester là, hein. On va avancer. Esquive là. Une merguez sauvage. Allez. Il est chiant pas vouloir suivre. Hein. Putain. Bah oui, bah t'as qu'à casser aussi. Allez, tu vas me laisser fuir. Oh le bâtard. Je vais t'éteindre, ta petite flamme. Et tu mourras dans d'atroces souffrances. Putain, écume, c'est vraiment pourri. Je l'avais vu en plus, hein. On va changer ça. Indiana Jones, Dinoquillé, Machoke est mort, Néo. Ok. Ouais, il est comme ça. J'ai du mal avec le type acier, des faiblesses à résistance. Alors, acier... Ok. Mort. Bah les deux qui défoncent l'acier sont morts. On va rester sur un coup.
confus. Allez, blesse-toi. J'ai toujours demandé pourquoi Kadabra avait une espèce de queue aussi énorme. Je sais pas, c'est... enfin si c'est une queue, mais pourquoi elle est comme ça? Abra en a pas, la Kazam en a pas. C'est quand même bizarre. Du coup, quand il évolue en Alakazam, t'as l'impression qu'il est tout nu. Tout maigre, tout. Allez, pas un Ponyta. Ah, petite merde à moustache. Mauvaise pioche. Un cacaillou sauvage. Pourquoi ils ont fait une moustache comme ça? Pas de moustache, les insectes. La courage. Pour compléter ma collection. C'est ça être collecteur. Ah mais tu complètes quoi? Il est plante ou poison, Roselia? Parce que c'est dingue quand même que je le one-shot comme ça. Alors, EP, petit attaque. Bon, c'est quand même un collectionneur, il devrait collectionner, à moins qu'il collectionne vraiment les Roselia, il pourrait collectionner d'autres Pokémon quand même. J'avais espoir que ce soit autre chose. En tout cas, je vais devoir finir mon vive attaque. Thank you.
sais pas pourquoi il y a des trous comme ça dans les mariages. Ah, la nuit commence à tomber déjà. Il est 18h. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour protéger le lac, c'est bon de savoir qu'il reste des gens qui se soutiennent dans la nature. Je crois bien qu'il s'appelait Helio. Donc on peut pas aller au lac. Et on arrive du coup dans une ville? Ou pas? Un petit restaurant. Au calme. De courant. Au bout de cette route, les équipes y travaillent, mais la route est fermée. Oh, voilà le nombre de zones qui sont inaccessibles. Bon, du coup, j'imagine qu'il faut rentrer. On sait même pas si c'est une ville ou. Quoi que ce soit. Ce petit compteur de pas me gonfle. D'accord, donc ça c'est pas un lac, ça c'est une mer ça. Je retire ce que j'ai dit dans un épisode précédent, le sans coquille est un Pokémon hyper classe. Voilà. Et sa couleur irait parfaitement avec ma couverture YouTube. Tiens, on va essayer ça. Vas-y, rate l'attaque, hein. Moi je voulais lancer une attaque. J'ai toujours parmi ces putains d'animations. Je voulais voir. Je lance l'attaque juste pour l'animation, mais il n'y a pas d'animation. Putain, la vache, t'as un problème là, Pingou. Mais je pense que c'est quand même le genre de Pokémon qui aurait mérité une évolution. Enfin, si ça en a pas. Enfin, je pense pas. Ah si, il y en a une. Oh le boulet. Ah oui, c'est vrai, c'est... Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte? Non, mais non, le lac est là. J'en ai dans la mer. On a déjà vu pas mal de la carte quand même.
Donc Virivain, on peut pas y aller de toute façon, donc ça va se jouer sur Verchamp. Mais du coup, Verchamp, faut qu'on passe par... Il faut qu'on trouve un moyen d'aller à gauche. PP plus, ok. Bon bah alors si c'est pas... faut pas aller au lac. Le Bastos Castorno. Je t'ai battu. Je pense pas qu'on puisse aller à gauche par ici. On est déjà remonté. En passant par Union Police. Quoi qu'à revoir, excellent. Bon, Verchamp, 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 Verchamp. À la gauche, à la gauche. Il y a quelque chose là. Bien moyen d'y accéder. Et merde. J'aimerais bien voir. Ah putain, mais ces animations fait chier. Allez, je vais me le noter. Un petit stylo. Animation. Ok, bon, du coup, je vais mettre mon brush inutile. Il est vraiment. Alors, pardon, je vais taper dans le micro, et encore, là. Il est vraiment pas fort ce pilote.
C'est dans ce genre de moment, généralement, je le. Enfin, j'attends qu'il évolue quand même. Après, il finit au PC parce que. Il me gonfle. Flûteur. Alors, je n'avais pas trouvé ce chemin, mais je suis vraiment un boulet. Donc, toi, on va pas s'exciter sur toi, toi non plus. Ça, c'est quoi? Je fais parler les traces. Bon, par curiosité. Marquer les gens qui font des trucs bizarres comme. Des collectionneurs ou des Pokémaniacs ou des trucs comme ça. C'est toujours un petit peu. C'est toujours des petits bonhommes un petit peu gros. Je sais pas pourquoi. Je n'ai aucun mal à identifier les Pokémon, il me suffit d'observer leurs empreintes. Très bien, fais marcher ton Ponyta devant moi. Allez. Les autres disent qu'il y a des gens qui sont méchants avec les Pokémon. Eminette alors? Merguez? N'importe quoi, mais sérieux. Ah ouais, t'es comme ça, toi. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Juste un arbre à miel, quoi. Ah non, je pensais que j'allais pouvoir esquiver. Bon, tant pis, c'est le jeu. Il me reste plus beaucoup de Pokémon là, faut que j'arrête de faire le kiki parce que. Je vais atterrir à Tataouine-les-Bains. Chaque Pokémon. Ça ira, merci. Réveille-toi. Je crois pas avoir encore un rappel ou un truc comme ça. Pas encore trouvé. Ça m'a déjà été. Verchamp, 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 super. Génial. Du coup, vu que ça va être la fin de l'épisode, on va pouvoir fermer sur une petite ville. Je vais soigner mes Pokémon. Ok, bah écoutez, c'est super, on a fait un bon petit bout de chemin. On a trouvé un petit peu ce qu'il nous fallait. Le prochain épisode, il va y avoir un badge, je pense. Je pense qu'il va y avoir un badge. Et j'espère qu'il doit y avoir une intrigue au niveau du lac colère. Sûrement la Team Galaxy, il y a de grandes chances. Donc on verra ça au prochain épisode. Allez, à la prochaine, bye bye!